Allez. Ouais. Ok. Salut les guerriers. Ok, okay. Salut les. Vas-y, pardon. Ta mère. Ok. Comment dire bonjour en allemand les guerriers? Ich bin Bernin. Ok, salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Aujourd'hui, on continue notre globe-trotteur des salles de muscu. Et on se retrouve en Allemagne au Fitness Fist. Pour au Fitness First, s'il te plaît, un peu de respect. Au Fitness First. Parce qu'on est dans la lignée homosexuelle. Non, 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 c'est pas la même vidéo. Okay. Donc, pour ceux qui l'ont pas vu, on a participé au FIBO 2022. Donc, allez voir cette vidéo. Et on en profite pour vous faire cette vidéo. Donc, grosse séance dos pour Pimousse, grosse séance épaules, biceps pour Didjo. Je parle de moi à la troisième personne. Mettez un like, commentez et allez, bonne vidéo. J'espère que ça va vous motiver pour votre séance de ce soir. Attends, juste avant. Quoi? La salle, je l'ai bien sélectionnée. J'ai été sur les avis Google et j'ai pris la salle qui était le mieux notée. Elle a 4,8 étoiles et celle en dessous, c'était 4,7 étoiles. Normalement, c'est censé être la meilleure salle de Cologne. Ok. J'espère que c'est pas une salle de yoga. Moi, je vois des tapis. Il y a de la motivation. Comment? Il y a de la motivation aujourd'hui. Attention à ce que tu dis. Dis-leur, la salle, elle est comment? C'est n'importe quoi, les gars. Là, c'est vraiment une salle de luxe. Donc, franchement, vous allez kiffer cette vidéo. On a eu une réduction en plus parce qu'on participe au FIBO. Attends. Et voilà, mets-toi tout nu, je t'en prie. Tout nu. Ce qui est bien, c'est qu'avec ces cartes-là, on a un cadenas en fait. On verrouille les casiers avec ça. Incroyable. C'est des casiers électroniques. C'est incroyable. Par contre, la séance super chère. Hein. C'est 20 euros par personne. Bon, nous, on a eu la réduction. Avec le FIBO, on a eu la réduction. Mais et je pense, si j'avais négocié, on n'aurait peut-être pas payé. Mais vas-y, la flemme. Tu voulais passer sur le bureau encore? Je t'ai dit qu'il fallait arrêter ces choses. C'est toi qui fais ça, gros. Tu fais de la musculation, toi, non? Je t'ai dit un petit peu une fois. Je mets des bardeurs ou pas, du coup? Yoga, muscu. Hein? Des bardeurs ou pas? Ouais, des bardeurs. Bon, commencez pas à juger le physique. Je suis pas congestionné. Vous savez très bien, on triche sur les réseaux sociaux. Mais après, on va être énorme. Juste avant l'entraînement, petit pré-workout, j'ai pris déjà un scoop d'hydravol. Je vais pas en prendre un deuxième, ça va m'envoyer. Pour le focus hydravol, congestion aussi, mais on rajoute à ça petit pré-workout rouge qui est sans caféine, uniquement congestion. Comme ça, on est bien big pour les photos et les vidéos. Et code fitness fusion 20% et vous les touchez à moins de 20 balles l'unité, je crois. C'est pas cher. Et celui-là, c'est le meilleur. Je t'entraîne le soir, incroyable. Mais pourquoi t'es déjà congestionné alors que t'as pas encore pris ce produit? Ça, c'est des autres produits dont on parlera plus tard. Ils ramènent tes muscles. Ils veulent voir des muscles, ils ont dit, et moi, j'en ai pas. Je suis pas encore congestionné, là, je sais pas. Pires excuses. Congestionné naturellement, mais naturellement, c'est un grand mot. Dis-moi. Donc, ça y est, on est rentré dans la salle, ils ont déjà vu les plans d'insert. Ouais. Donc, vous avez déjà vu à quoi la salle, elle ressemble. Nous, on a fait un peu le tour. On va pas commencer par des machines. Je voulais faire du tirage vertical parce que j'aime pas les tractions. Je suis trop lourd pour faire des tractions. Et on va faire des tractions quand même, vu qu'il n'y a pas de tirage vertical. Ok. Moi, je le suis sur la séance. Ouais. Et vous avez vu la salle, c'est. Il y a un coin machine muscu et tout, mais en fait, elle fait fort crossfit. C'est très crossfit. Il y a un grand espace crossfit, vous l'avez vu en vidéo. Mais elle est stylée. En vrai, elle donne envie quand même de s'entraîner. Si tu travailles au poids libre, t'es bien. Ouais, franchement, je pourrais m'entraîner dans une salle. J'ai pas vu de rack à halter. Si, là-bas, à droite, t'inquiète, je l'ai vu. Okay. Jusqu'à combien, je sais pas, faut voir. Donc, il y a des haltères. Ouais. Là, on va commencer par les tractions, donc ça va être des plans. On va mettre des petites musiques et à chaque fois qu'on changera d'exercice, on vous dira ce qu'on fait, etc. Et on va mettre un peu plus de force dans la chaîne pendant quelques temps parce qu'on fait beaucoup les guignols, mais nous, notre but principal, c'est aussi de vous montrer comment on s'entraîne. C'est juste que lorsqu'on le faisait à nos débuts, ça faisait peu de vues. Donc, on a commencé à faire des vidéos buzz, tout ça. On va commencer à se recentrer un peu sur la muscu. On a remarqué que vous aimez bien quand on est tout nu. Voilà. En plus, là, en ce moment, on commence à avoir une bonne shape. Donc, dans les commentaires, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à nous dire. On force on en verra, y a pas de problème. Lui, il en voit déjà. De toute façon. Je suis grand sa mère, t'es petit. Non, descend. Si je suis dégueulasse physiquement, tu me le dis, hein, et on n'en parle plus. Je suis mal à l'aise, hein, tu le sais. Hein. Je commence. Ah, il va se mettre tout nu, c'est vrai, il vient de demander l'autorisation. Combien tu veux mettre? On met pas lourd, hein. 80. Moi, je fais ta séance, frère. Je suis capable d'assumer tes charges. Fais gaffe à ce que tu dis. Parce que on va commencer à arriver sur du powerlifting. Hein. Dans deux secondes, il me dit les charges de Didjo, c'est du curl. Ouais, ouais. Là, je vais curler. Hein. C'est rien de filmé. C'est pas du rowing, là. Du rowing extra, arrête. C'est combien, ça? C'est lourd? Ouais, c'est easy. C'est du jus. Bon, petit rowing bar. Et on fera dernière série tout nu.
Dernière série tout nu. Vas-y, sur chaque exo, on se met tout nu au dernier. Une série tout nu, à chaque fois, vas-y, on fait ça. T'es, pourquoi on fait pas les jambes? On parle avec lui. Ouais. Et Paul, elle fait la montre sur des exodos, faut m'expliquer. Normal. Ouais, ouais. Tu peux répéter ce que t'as dit? L'ours sa mère, je crois, t'as dit. Non, non, on n'a pas vu le dire sur Fitness Fusion. Remets ton micro. C'est... Il m'a dit que c'était lourd. Il m'a dit, putain, Pimou, je t'entraîne avec des vraies charges quand même. Ah, je l'ai trop chauffé au début, je savais pas, mais sur la barre, il a mis 90 kilos. Je savais mais pas que c'était des ça 15. Va. En ce moment, sur mon rowing, je suis à 95. Ça va. Sur ma première série. Après moi, cet exercice-là, vraiment, je mets même pas 90, j'ai arrêté de le faire en lourd. Déjà parce que je le place en troisième normalement, donc j'ai plus la force de faire du lourd. Okay. Et genre, ouais, je vais mettre 70-80. Je vais me pencher au maximum presque à 90 et vraiment aller chercher la contraction du dos. Penley. Un vrai rowing. Ça, c'est bon si vous voulez progresser au soulevé de terre. Non, moi je fais surcharge progressive. Là on fait du rowing Yates pour les plus cultivés. 2,5 kg à chaque série. Là je suis à 95, 92,5, 92,5. Ça augmente en parallèle avec la cure ou pas? Allez hop. On a baissé la charge, mais c'est que pour avoir des beaux plans, les gars. Au moins, belle contraction et tout, vous voyez. Parce que après, ils vont dire, ouais, on n'assume pas 90 kg rowing. Alors que si. On passe enfin sur les machines. Ok, donc on passe sur les machines. Mais on repasse tirer sur les charges libres après. Toi, peut-être pas, je sais pas, au pire, on fera des trucs différents s'il faut. Je ferai du rowing bûcheron après. Mais là, on passe sur les machines. Il veut tester les machines parce que c'est que Hammer Strength. Hammer Strength, c'est partout dans les top marques. C'est quand on était à Giga Gym qu'on avait ces machines-là. C'est le top marque. Ça va avec Panatta, Hammer Strength, Technogym. C'est les meilleurs marques. Donc on va essayer une pour la largeur, après une pour l'épaisseur. Et après, Inch'Allah, peut-être des muscle up. Qui sait. Et désolé si vous nous voyez plus tout nu. Ouais, ils ont dit c'est tout, faut arrêter de mettre tout nu maintenant. Ils nous avaient dit sur une seule série, on a abusé. On a abusé, on s'est mis tout nu. Donc vas-y, c'est on parti. On nous donne ça, on prend ça, on est italien. Donc on est parti. Tu mets ta main. Non. Yeah, coming in. Yeah, flex. I just wanna win. Yeah, 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Pump up the action. Off the rapping, keep it on my body, bitch, I'm broke if you ask it. Don't gotta sell it, most of y'all is flawless, broken whips as long as it is foreign. Heard you want it cause the game's enormous, what's in since she isn't gorgeous. Live my life last night. Là, comme je suis plus en masse. Parce que les gens, ils vont se dire, ouais, il a fait 185 kilos, machin. Et maintenant, il commence à être sec. Là, c'est fini. Il n'y a plus 185. Il n'y a plus. Si je fais 175, c'est déjà beau en vrai. Attends. Là, c'est rec, c'est déjà rec. Non, mais attends, parce qu'ils vont dire, j'ai des boutons, j'enlève la croûte. Tends ton dos, viens voir le bras, viens. Je suis zoomé, t'inquiète, on voit. Après, ils vont dire des boutons, je sais pas quoi. Des grandes piqûres. Là, ils vont dire, ouais, mais c'est le bras gauche. Gorgeous, live my life, last name of Morgan Freeman. Trying to touch a forest. Do not know when knocking on the door is. Came in. They like the Porsche is humming in. Yeah. Est-ce que tu vois le côté force et fun? Avant la série, on est là, on rigole et tout. Dès que je prends les poignets, focus, force les gars. Ok, donc là on est sur une machine à résistance à air apparemment. Ça doit être avec de l'air comprimé. Quand tu fais plus, ça rajoute de l'air. Quand tu fais moins, ça enlève de l'air. Et on va mettre une vraie résistance, on va mettre 8,5. Et je sens que la résistance, elle est différente gros. C'est différent des câbles. Ouais, c'est vraiment différent. C'est incroyable. Donc là, c'est pas des poids en fait, c'est de l'air dedans. C'est de l'air qui retient la charge. Ça doit être un truc à air comprimé, ouais, comme ça. Laisse-moi essayer. Attends, je finis ma série. Incroyable. Mister Gijo qui va essayer. Tu sens que la résistance elle est différente de d'une poulie ? En fait, j'ai l'impression d'être avec un élastique constant. Ouais, c'est ça. Un élastique mais qui se ralentit pas, voilà. Tu sais. Moi, j'aime bien. Et les gars, ça compte les reps. C'est incroyable, hein. Montre un peu le tableau là. Et là, on voit. Et là, vous voyez, ça compte les reps. Ça le monte. C'est un délire. Ils veulent qu'on soit désassisté jusqu'au bout maintenant. Incroyable. Joli triceps, hein. Après, tu peux pas trop charger de ces machines-là. Si. J'ai vraiment cette sensation de travailler des élastiques. Mais pour finir tes séances, moi, j'aime c'est bien. Parfait. Oh, bah, bien sûr que j'aime bien. Et même pour une personne qui a des problèmes ou quoi, ça peut être pas mal, tu vois. Ouais. Ah, c'est pas mal. Et puis, tu peux faire plein d'autres exercices. Hein. Les gars, dernier exercice. On passe au curl biceps. Vous allez voir. On va être dopé sur le plan. On est rien dopé du pourquoi tout. Faut arrêter parce que maintenant, dans les salles, ils mettent des spots comme ça, là. Plus miroir. Donc, ça va être impressionnant. Là, vous commencez déjà à le voir. C'est lui, les mais avec les haltères qu'on va prendre et tout, les veines, elles vont ressortir. Puis, nous, c'était prêt. Fais-les tous douter. Came through tripping Aquafina, I'm sipping 15. Kept a weapon on me. Flow make digits, I'm on my business. That chicken like what it's gon' be. Crew in the cut, hey, you want us? Red run when I tell a peace. Love is love.
coming, a coming, a coming, gotta get it. I've been playing with the minutes that they been should've gave, and I'm flipping every digit that they been should've paid. Had to find a way to get it, no, this isn't what you made. If I ever wanna dip, then I'm brink with the blade, and I'm brinking a blink on the brink of some dumb shit. Watch how I move, cause I know the brink's coming. Love is la même tête qu'au soulevé de terre, une tête on dirait timbouille. Entraîne-toi, je te speed de toi. Bon les gars, on va se peser parce que des fois en vidéo on paraît big big big. Il y a un mec tout nu, attention. Donc je vais me peser juste pour voir, comme ça vous avez une idée. Donc là on est 79 quand même hein. C'est pas mal hein, parce que moi je dis souvent en vidéo je fais entre 75 et 78. Bon là on a mangé, on a de l'eau, en général les gens qui ont l'espèce c'est à jeun. J'ai le pantalon, mais vous pouvez voir que je m'y tonne pas sur les chiffres. Donc j'oscille souvent entre 75 et 78 kilos. Et voilà le rendu en vidéo. Ouais, j'ai vu un skate, moi. Moi, je suis encore un peu choqué. En gros, on a fini la séance, on a dit on va aller faire un petit sauna, ouais. Carré, ok? Déjà, magnifique. Le sauna, il est immense, il y a même un hammam. La salle, en fait, on savait pas, mais c'est du luxe. C'est du grand luxe. Si déjà, c'est la séance d'essai, c'est 22 euros, je crois, 20 euros. 20 euros. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien, Basic Fit, c'est 10 euros, vous savez. Ouais. Donc là, on a été impressionné par les vestiaires. Le sauna qu'on vous a pas montré. Par l'équipement. Il y avait des gens dedans. Tout nu. Et ce qui nous a non, choqué, mais attends, c'est tu dis tout nu. Des hommes tout nus, on en a vu. Ouais, mais gros, déjà j'ai on vu des ça, depuis que je joue plus au foot, ça fait j'en avais pas vu depuis longtemps. On va pour chercher le sauna, on trouve pas, on se dirige vers le hammam. Et le hammam, il y a plein de fumée. Ouais, il y a plein de fumée. Il ouvre le hammam en premier, il va pour rentrer et je vois il bloque. Il fait demi-tour, il ferme. Je me suis dit, bah, il se passe quoi? Il me dit, je crois il y a une femme tout nue, gros. Voilà, donc j'ai pas osé rentrer. Clara, j'ai vu notre femme. Demi-tour droit direct, moi j'ai rien vu. Et du coup, on s'est mis dans. On s'est barré dans le sauna, on est parti se cacher dans le sauna. Dans le sauna, mais après, la femme. Non, faut pas le dire. Et l'homme non, qui était. Mais si, c'est pas de notre faute. Les deux, ils étaient dans le hammam, femme tout nu. Tout nu, normal. On s'est barré, hein, du coup. Voilà. C'est incroyable. C'était malaisant. C'était vraiment les malaisant. Les Allemands, ils sont chauds, en ouais, vrai. Les Allemands. S'il y a des gens avec des origines allemandes, vous êtes des gros pervers. Moi maintenant, je suis à Ich bin Berlinois. C'est bon. Voilà. Il va se mettre tout nu maintenant. Donc voilà les guerriers, on a terminé le test de la salle. Comme vous avez vu, elle est vraiment vraiment chouette. On a terminé par sauna, hammam, carré de ouf, excellent pour la récupération. Ouais, c'est incroyable. Toi, tu devrais donner une note à cette salle. Je sais que demain je vais être sec et j'aurai pas de courbature. Une note à la salle? Ouais, une note sur 20. Ouais, en fait, moi j'aime bien travailler beaucoup aux machines. Il en manque un peu, mais il y a l'essentiel. Mais après, elle est très propre, elle est luxueuse. Un autre défaut, elle est un peu chère, faut avoir les moyens quand même. Ouais, c'est une salle luxueuse. Mais je lui mets un bon 9 sur 10. Ouais, moi je lui mettrais aussi un bon 9,5 sur 10 carrément. Parce que justement, le fait que ce soit cher, je vois pas ça comme un mauvais choix parce que ça va filtrer les gens qui viennent. Tu vois ce que je veux dire? Et allez, il veut non. Pas que le peuple s'entraîne. Pas le peuple. Révolution. C'est juste que Basic Fit c'est accessible et du coup on retrouve plein de gens qui viennent faire chier sur les machines, faire de la merde. Voilà. Ils ont rien à foutre. 15 séries de poulies en voilà. Premier exercice, c'est bon ça. Les gars. Moi la salle, je donne un solide 9,5 sur 10. Franchement, c'était cool. Bref. Continuera de faire des tours de salle, etc. Et c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour. Je te laisse le mot de la fin. Merci d'avoir regardé la vidéo entièrement. Si vous êtes encore là, c'est que vous êtes les meilleurs. On n'oublie pas le like, le commentaire pour le référencement, les sites internet. Les coachings sur www.fitnessfusion.fr et pour les compléments alimentaires, n'hésitez pas d'aller sur QNT. Code Fitness Fusion, vous avez 20% de réduction et en plus ça nous soutient. Tout le monde est gagnant, ça fait plaisir. C'était Fitness Fusion de l'AFF. Vous étiez en présence de Pimous et Didio. Force et fun.